Éric Bessedoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur innovation au sein de Legrand. Legrand, ce sont des produits, des systèmes pour installation électrique et réseaux d'information. Alors, tout d'abord, expliquez-nous un peu plus votre fonction. Alors, ma fonction, je suis animateur innovation au sein de la direction de la communication interne groupe. Donc, en fait, j'ai une mission très transversale vis-à-vis de tous les métiers de l'entreprise, hein, pas seulement au niveau des bureaux d'études, mais au niveau des commerciaux, du marketing, etc. Et mon but est de dynamiser et d'aider mes collègues à innover. Alors, quelle est l'importance de l'innovation pour les entreprises, vu qu'on est dans le cadre du salon des micro-entreprises? J'allais vous dire, quel est l'enjeu? Ah ben, je dirais c'est simple, c'est vital, parce qu'à l'heure actuelle, ben, on le voit bien, le monde bouge vite et l'adaptation entraîne de tout le monde, entraîne que la nécessité pour les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, d'innover et de sans cesse se différencier. Parce que innover, en fait, c'est se différencier par rapport aux autres. Alors dans le cadre du salon des micro-entreprises, vous êtes présent sur le stand de Limousin Expansion. Tout à fait, pourquoi, oui. Expliquez-nous cette synergie. Mais parce que Limousin Expansion a pour rôle d'attirer des entrepreneurs sur la région Limousin. Et donc en fait, attirer des entrepreneurs sur la région Limousin, c'est les amener à innover, à créer des choses, à créer des services ou des produits nouveaux pour les vendre. Et donc nous, on met au service, nous le grand en fait, et moi en particulier, tout ce que je peux savoir sur l'innovation, sur l'animation de l'innovation par rapport à des organismes tels que Limousin Expansion. On crée une véritable synergie autour de l'innovation entre nos deux organismes. Dans les années à venir, quel est le challenge des entreprises et TPE plus particulièrement au point de vue d'innovation? Moi, je pense que dans l'avenir, une micro-entreprise, une entreprise qui veut s'implanter, porte de l'innovation, porte un projet. Et tout passe, si j'avais un conseil à donner, c'est de monter un projet et de bien le communiquer surtout. D'y croire, d'avoir la motivation et surtout d'aller chercher tout ce qui va faire en sorte que les solutions portées par cette nouvelle entreprise vont être différenciantes. Éric Bessedoux, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes animateur innovation au sein de Legrand. Tout à fait. À bientôt. À bientôt.